Good morning à l'Eden. L'étude sur aujourd'hui les Refouat Fragi Ben Chana et la petite Raya Naomi Rachel Bat Shirel Simcha Betoch Shar Chole Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous débutons aujourd'hui Bezrat Hashem, Masechet, Baba Batra, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Ashutafim Sheratzu Lasot Mechitza Bechatzer, Bonin Et Hakotel Baemza. Makom Shenago Livnot, Gavil, Gazit, Kefisin Levenim, Bonim, Hakol Keminag Amedina. בגביל זה נותן שלושה תפחים וזה נותן שלושה תפחים בגזית זה נותן תפחיים ומחצה וזה נותן תפחיים ומחצה בכפיסין זה נותן תפחיים וזה נותן תפחיים זה קריא וזה תפחיים מספיק בלבנים זה נותן תפח ומחצה וזה נותן תפח ומחצה לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם. On va commencer avec une petite introduction générale à Baba Batra, très courte. Dans ce traité, on va essentiellement parler des lois du voisinage. L'interdit, les devoirs que l'on a envers nos voisins, de ne pas leur causer des dommages, le tapage nocturne, ne pas faire des utilisations chez moi si ça va nuire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. On va particulièrement parler de ça dans les trois premiers prakim. Ça, c'était pour l'introduction générale. À part ça, maintenant, avant d'aborder maintenant notre Mishnah, on rappelle une règle qu'on a déjà évoquée, importante à dire aussi pour ceux qui vont, Bezrat Hashem, débuter avec nous, Baba Batra. De manière générale, nos maîtres sont très radins en mots. Ils ont un plaisir intéressant à toujours trouver, en un cas petit farfelu, en une courte phrase, d'inclure dans ça plein de halakhot. Il y a un grand intérêt en réalité, c'était essentiellement parce que la Mishnah, initialement, c'est la Torah Shebe Al Peh, c'est des choses qu'on doit connaître par cœur, et on a un grand intérêt à connaître, avec peu de mots, plein de halakhot. Donc en fait, on va se retrouver souvent dans des situations pareilles, avec une Mishnah qui va nous dire, en très condensé, une situation un petit peu spéciale, mais qui va nous permettre de déduire des tas de choses. Pour vous donner une petite idée sur les deux premières lignes de la Mishnah, la Gemara va consacrer, je sais pas moi, les deux pages pleines que dans les Yeshivot, ça s'étudie pendant deux mois, chaque petit tosfot avec les Rishonim, tellement qu'il y a de quoi puiser, approfondir la grande Sugya de Ezekriya qu'on va évoquer, succinctement bien sûr, le Barthenoï il arrive ensuite, il nous fait ça en quelques lignes, mais en réalité il a résumé et condensé des tapis entiers de Gemara et des avis de Rishonim, c'est très vaste. Et donc en fait, regardez comment ça va se présenter. On va d'abord traduire littéralement, si on peut se permettre, la phrase. Et en fait, on va ensuite expliquer qu'est-ce qu'elle vient inclure, combien de halakhot on peut déduire de cette phrase. Ashutafim sheratzu lasot mechitza bechatzer. Ceux qui parlent l'hébreu vont traduire. Ashutafim, des associés. Sheratzu lasot mechitza bechatzer. Qui ont voulu faire mechitza. Ils vont dire mechitza comme à la synagogue. Un mur de séparation dans la cour. Boni et Atakotel Baemsa, la Mishnah vient nous dire, bon, vous savez quoi, puisque vous allez construire un mur à deux, alors Boni et Atakotel Baemsa, ils devront construire le mur au milieu. Et après, la Mishnah va nous donner des tas de détails d'architectes pour nous dire comment construire. On n'a qu'à le faire dans les mots directement, pourquoi pas. Makom Shenaago Livnot Gavil Gazit Kefisin Levenim Bonim. Selon l'usage, un lieu où on a l'usage de construire avec du gavil, gazit, kfissin et levenim. Quatre sortes de pierres qu'on va tout de suite interpréter. La Mishnah nous dit, boni, on a le devoir de construire avec sept sortes de pierres. C'est-à-dire, si on est dans un endroit où on construit avec du gavil, il faudra mettre du gavil, du gazit, et ainsi de suite. À Kol Kemina Gamedina, on est toujours contraint à agir selon l'usage en vigueur dans le pays. C'est quoi Gavil, Gazit, Kvissin, Levenim? C'est simple, c'est 2 fois 2. Gavil, Gazit, ce sont deux sortes de pierres. Pour ceux qui connaissent la pierre de Jérusalem, ils pourront voir sur les murs qu'il y a deux types de pierres. Il y a la pierre à l'état brut, qui a des tas de qui a des formes un petit peu bizarres, pas du tout taillées. Et dans les constructions un peu plus modernes, on n'utilise plus la pierre à l'état brut, mais on la taille. On la ponce de manière à ce qu'elle soit plus ou moins lisse. On la casse tout simplement. L'un c'est Gavil et l'autre c'est Gazit. Gazit c'est la pierre de taille, c'est-à-dire c'était la pierre qu'on a pris, on a extrait des pierres de, d'accord, de,
de la terre, de la montagne, on a cassé la montagne, on a récupéré des pierres. Soit on la laisse à l'état brut, ça a fait un petit charme dans l'ancienne Jérusalem, dans le vieux quartier de Mea Shearim, Nachalaot, et même encore chez moi à Ramot. Ça se trouve encore, il y a encore certaines constructions, on se retrouve avec cette pierre comme ça. Et donc, elle a un désavantage, cette pierre, bien sûr, c'est qu'elle prend plus d'espace. À la différence de Gazit, la pierre qui est taillée, au moins elle est lisse, toujours. Pour vous donner... D'accord ? C'est clair ? Gavil, donc c'est la pierre qui a toutes ses bosses. Et Gazit, c'est la pierre taillée. Kfisin Levenim, maintenant, on est dans l'autre type de construction, qui n'est plus avec de la pierre, mais avec de la brique. La différence, bien sûr, la brique est purement artificielle. On prend du ciment, on le fait sécher, et ça fait des briques. Maintenant, la brique, il y a deux manières de construire un mur en brique. C'est soit on empile les briques, on met du ciment entre les deux, soit il y a une autre solution, c'est de prendre des demi-briques, et on les met avec un espace entre elles, et on fait une coulée de ciment à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, beaucoup de constructions avec la pierre de Jérusalem, ça se passe comme ça en réalité. C'est pas une pierre de Jérusalem qui fait toute l'épaisseur du mur, mais c'est en réalité une façade avec à l'intérieur de la brique, et on fait une coulée de béton entre les deux. Chaque type de construction a ses intérêts, ses avantages, ses inconvénients. Bien sûr, vous imaginez bien que si on a fait une coulée de béton en plein milieu, ça va être beaucoup plus solide, ça pourra plus casser en plein milieu, puisque c'est devenu tout d'un bloc. Enfin, là, on n'est pas à l'école d'architecture. On va donc continuer notre Mishnah. Donc, on se retrouve maintenant avec notre Mishnah. Après, pour vous donner une idée, si vous... on n'a qu'à la faire directement dans les mots, pourquoi pas. Toute la suite de la Mishnah va être de nous donner les tailles conventionnelles de chaque type de pierre. Et on le fait directement dans les mots. D'abord, je vous le dis à l'oral, comme ça, quand vous allez le lire, vous allez comprendre la phrase, ce que la phrase vient de nous dire. C'est une Mishnah. Si on la lit, on la traduit, on a l'impression d'avoir tout compris. En fait, on n'a vraiment rien compris. On est passé à côté de toutes les halakhot qui étaient en fait écrites entre les lignes. Mais pour le moment, on se contente des mots. Et la Mishnah va nous donner les détails de chacun. On a dit Gavil, c'est la pierre qui a toutes ses bosses. Et celle-ci, elle fait une largeur de 6 tfachim. Un tefar, c'est une poignée, 10 cm, 9, 10,2, 10,6, une dizaine de centimètres. Donc, Gavil, c'est la pierre qui dépasse. Puisque, en général, ces pierres font jusqu'à 6 tefar, de 5 à 6 tefar, selon les bosses, alors il faudra que chacun des deux parties, puisqu'ils vont construire un mur au milieu entre les deux, il faudra que chacun donne 3 tefachim. Idem ensuite avec Kfisin, puisque cette fois-ci c'est la pierre taillée. Donc on va se retrouver avec des pierres qui vont être uniformes, de 5 tefar de large. Donc chacun devra donner 2,5. La brique, elle fait de manière générale 4 tefar. Avec, donc 4 tefar, c'est une taille normale de brique, de la brique de notre Mishnah, c'est un peu différent de... Excusez-moi, la brique, non je me trompe, la brique fait 3 tefar, mais quand on fait ce système de séparer les deux demi-briques et de faire la coulée de béton entre les deux, on laisse 1 tefar d'écart, donc on se retrouve avec un mur qui fait 4 tefar. Donc si maintenant on va utiliser des kfisin, donc c'est la brique séparée en deux avec la coulée de béton, il faudra, elle fait 4 tefar. Donc chacun y donne de 2. Et si on fait avec les venim, avec la brique normale, donc on empile les briques en mettant juste du ciment entre les deux, mais pas ces deux demi-briques où on fait la coulée de béton au milieu, donc la brique fait 3 tefar, donc chacun doit donner 1 tefar et demi de son terrain pour le bien de la construction de ce mur. On fait ça, on traduit ça dans les mots, et après on met un zoom et on explique tout ce qui se passe. Begavil, zenoten shloshat fachim, vezenoten shlosh fachim. Si on utilise le gavil, la pierre non taillée, lui devra donner 3 tefar et l'autre devra donner 3 tefar. Begazit, si on utilise la pierre taillée, le Beit HaMikdash était en avné gazit, ceux qui lisent dans le Navi. Alors il y a écrit là-bas qu'on parle de avné gazit. Donc c'est la pierre taillée, cette fois-ci ça fait 5. Donc zenoten tifraim omerta, zenoten tifraim omerta. C'est la première fois de la vie que je vois qu'on lit le mot tifraim et pas tfachaim. Je me plie à la ponctuation, je vais être plus sage qu'eux. En tout cas, begazit c'est la pierre taillée, il faut faire 2,5. Ensuite, Bikfisin, donc c'est les deux demi-briques avec la coulée de béton au milieu. Zenoten, Tifraim, Vezenoten, Tifraim. Chacun devra donner deux tefar, deux poignées de son terrain pour la construction du mur. Belevenim, et si on construit avec des briques, Zenoten, Tefar, Omerza, Zenoten, Tefar, Omerza. Si on construit avec des briques, donc ils font 3 tefar, alors chacun devra donner 1,5 et 1,5. On s'arrête là, la dernière phrase, on la laisse pour la fin. Et on répète, et ensuite on pose les problèmes, et on explique un peu mieux la Mishnah.
On parle donc de deux voisins qui sont venus vraisemblablement construire un mur, et la Mishnah nous donne des halakhot comment construire le mur. On est contraint de le construire selon l'usage en vigueur. À Jérusalem, on n'utilise que de la pierre de Jérusalem. Donc tu commences pas qu'on va me demander à construire un mur entre nous avec de la brique. Et si on se retrouve, je sais pas moi, à Tel Aviv, alors on construira avec de la brique et pas avec de la pierre de Jérusalem, même si on a envie de faire un petit style, tu pourras pas lui imposer de faire ça. Et la Mishnah nous dit maintenant, nous donne à part ça des conventions d'architecte. Une Mishnah relativement étrange, on a du mal à comprendre qu'est-ce qu'elle va nous dire. Tu construis ta maison comme tu veux, bon, tu es contraint de donner de... On a du mal à comprendre un petit peu c'est quoi le message. En réalité, il y a un message très profond. Le grand secret se retrouve déjà dans le mot mechitsa de la première phrase. Je t'affirme, j'ai rassuré la sotte mechitsa bechatser. On a traduit ça en des voisins, des... D'abord, regardez qu'on parle même pas de voisins, on parle d'associés. C'est en soi-même une grande remarque. Sheratsu, quand on est voisin avec quelqu'un, on n'est pas associé avec un voisin. Et Sheratsu, la sotte mechitsa, ils ont voulu faire... On a traduit ça avec une mechitsa, une barrière de séparation, mais c'est une erreur. En réalité, il y a deux avis dans la Gemara. En tout cas, on retient l'avis qui explique le mot mechitsa, qui est un partage. La chose de la chtzot, partager quelque chose, c'est une mechitsa. Une barrière de séparation, elle sépare, donc elle vient partager. Et en réalité, partager avec quelqu'un, ça s'appelle la chtzot, bien, on va partager ensemble, et on va faire chatsi. Et c'est la même racine. Et donc, la Mishnah se lit en fait comme ça. On parle d'associés qui ont voulu se partager une cour. Et alors là, la Mishnah va nous donner des tas de halakhot, comment devront-ils construire le mur, combien devront-ils céder de leur terrain, et il va falloir expliquer pourquoi. Concrètement, on explique un petit peu mieux de quoi on parle. D'abord, on va commencer avec un cas plus simple, qui n'est pas le cas de la Mishnah. Lorsqu'on a à l'époque, on vivait, d'abord la maison était partagée en cour. On faisait plein d'utilisations à l'intérieur de la cour. On lavait les lessives, on entreposait des fruits, on triait, d'accord. Les gens ne vivaient pas tellement à l'intérieur, surtout, vous imaginez bien, en Israël, où il fait une chaleur torride en été. Les gens vivaient plutôt dans la cour. La maison, c'était un lieu où est-ce qu'on dormait, on faisait des choses, et ils avaient des grandes cours devant chez eux. Maintenant, dans une même cour, il y avait plusieurs maisons ouvertes, plusieurs voisins. La Mishnah, avant d'arriver d'abord à notre Mishnah, on va d'abord évoquer une halakha simple qui va être explicitée plus loin, dans quelques Mishnayot, pas la prochaine, mais Mishnah Dalet plutôt, si je ne me trompe pas. Très prochainement, on y arrivera, Mishnah Hei, Kanirei en fait plutôt, ou Vav. Lorsqu'on a une grande cour et qu'on est associé avec son voisin dans cette cour, parce que moi je l'utilise et lui-même l'utilise aussi, chacun pour faire sa lessive. Maintenant, on se retrouve des fois dans des situations désagréables. D'abord, chacun voit le linge sale de l'autre et le proverbe dit qu'il faut laver son linge sale en famille et pas avec le voisin. Et donc supposons maintenant que quelqu'un réclame à partager la cour. On va construire un mur entre les deux et chacun va vivre chez soi. Comme ça, les femmes pourront... À l'époque, lorsqu'elle avait à la main, il fallait retrousser les manches. C'est pas tellement pudique qu'une femme découvre ses coudes, par exemple, ou ses avant-bras. Donc, ils ont décidé de se partager. D'abord, on apprendra plus tard que l'on est en droit de réclamer un partage avec une condition essentielle, c'est qu'il y ait assez une part conséquente pour chacun des deux parties. C'est-à-dire, si on a une petite cour qui nous fait 2 mètres, alors si quand on va se le partager, il va rester 1 mètre chacun, supposons que c'est trop peu, ça ne s'appelle plus une cour, donc on ne pourra pas réclamer un partage. Par contre, si on a une cour qui fait 20 mètres de large, donc on pourra se la partager, c'est vers 10 mètres, 10 mètres. Ça, c'est une halakha claire. Maintenant, on va d'abord donner maintenant une halakha qui découle de notre Mishnah, mais qui n'est pas encore le cas de notre Mishnah. À partir du moment où on a le droit de se partager une cour, donc on a pris l'exemple de 20 mètres de large, sur, peu importe, 10 mètres, ça revient au même, on avait chacun notre porte, on s'est partagé 10 mètres, 10 mètres de large. Maintenant, dès lors, j'ai le droit de réclamer de construire un mur entre nous deux. Pourquoi ? On a une halakha qui nous dit « Ezek reiya shmei ezek ». Parmi toutes les lois des dommages que les voisins peuvent se causer, l'un des dommages est le « Ezek reiya ». Le fait que lorsque tu regardes chez moi, ça me dérange, ça m'empêche d'être... heureux, épanoui chez moi, j'ai ton regard, tu me regardes, tu es en train de me causer un dommage.
Or, dès que tu me causes un dommage, tu dois arrêter de me faire ce dommage. Donc, je te demande de construire un mur chez toi. On apprendra plein de halakhot très sympathiques, très originales. Mais en tout cas, le principe, il est déjà là. C'est ce qu'on appelle Hezek Reiya Shmei Hezek. Le dommage causé par la vue, c'est un dommage, de ce fait. À partir du moment où j'ai réclamé à ce que l'on partage la cour, on sait qu'on se la partage. Supposons maintenant qu'on a envie de se mettre une petite barrière de séparation. J'ai le droit de réclamer non. Je veux un mur qui monte jusqu'à même 4 amotes, 2 mètres. C'est la hauteur d'un homme moyen, pour qu'il ne regarde pas, un peu moins que 2 mètres en réalité, mais en tout cas, c'est à peu près dans cet ordre de taille. Donc j'ai le droit de réclamer maintenant que l'on construise un mur entre nous deux, premièrement. Et si on construit un mur, alors j'ai même le droit, c'est justement tout ça, tout ce que notre Mishnah va nous apprendre, j'ai même le droit de réclamer à construire un mur selon les normes du pays. Tu n'as pas le droit de me dire, oui, viens, on va mettre un petit tissu bidon entre nous deux, attaché par des épingles. Je te dis, non, 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 on construit un mur normal, comme il est d'usage dans toute la contrée. D'accord ? C'est le principe général de la Mishnah. Maintenant, notre Mishnah est venue nous apprendre un cas encore plus fort que ça. Elle est venue nous dire, sache que même lorsque vous avez un chatser chez Enbodin Chalouka, on a une cour mutuelle, petite, que l'on ne peut pas se partager. Mais que l'on a dit, on a conclu entre nous que malgré tout, même si elle fait que, supposons, je ne sais pas moi, on verra la quantité de la taille exacte, mais supposons que 2 mètres c'est trop peu, quand on va se le partager, il va rester 1 mètre chacun, c'est plus une cour intéressante. Dès qu'on va se mettre à laver la lessive à la main, on va se cogner contre le mur. Donc en théorie, c'est pas une cour que l'on peut se partager. Mais supposons maintenant qu'on s'est concerté et qu'on a été d'accord de partager, et même on a renforcé la chose en faisant un kinyan entre nous, en concluant, on se partage. Ça y est. Dès lors, on est chacun dans sa petite parcelle, minus, 1 mètre chacun devant sa porte, et c'est tout, et on est content comme ça. Et bien la Mishnah va nous dire, à partir du moment où vous avez été d'accord de vous faire un partage, l'un est en droit de réclamer à l'autre qu'ils vont même construire un mur entre les deux. Vous allez me dire, quoi, construire un mur, c'est de la folie. On va se retrouver avec un mur de briques de 6 tefar, 60 cm, alors qu'on avait juste 2 mètres chacun. La Mishnah va nous dire, oui. Tout simplement. C'est ce que la Mishnah vient nous enseigner et on refait ça maintenant dans les mots. Ashutavim shiratzu la'asot mechitza b'chatzer. Des associés, regardez, ils sont associés, ils ne sont pas que voisins, ils sont associés. Ils ont une cour mutuelle entre eux qu'ils utilisent et qu'ils ont accepté de se la partager alors qu'ils ne pouvaient pas se l'imposer, comme on apprendra dans la Mishnah Vav. Ils ont accepté de se la partager. Dès lors, Bonin atakotel ba'emza. L'un sera en droit d'imposer à l'autre qu'il construise un mur au milieu entre les deux. Et selon les normes du pays, Makom shenagu livnot gavil gazit kfisin revenin bonin akol kimenaga medina. Et après la Mishnah va nous donner plein d'instructions comment construire le mur, on va incessamment sous peu les expliquer. Le principe est clair donc. On récapitule maintenant les halakhot qui en déduisent. Tout d'abord, la règle très importante. Hezek reiya shmei hezek. Regardez chez l'autre, ça s'appelle qu'on lui cause un dommage. Donc, l'autre est en droit de m'imposer d'arrêter de le regarder, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne pourra plus regarder chez lui. On apprendra dans le Perek Shlishi, dans le troisième Perek, plein de halakhot, comment on disposait les fenêtres lorsqu'on veut ouvrir une fenêtre en face de l'autre. C'est pas évident, ça cause des tas de problèmes. Les Batedini en Israël ou à Jérusalem, chacun double sa maison de volume dans large et dans la hauteur. Les Batedinim sont surbookés à étudier les plans des maisons de chacun pour trouver une solution comment chacun pourra mettre sa fenêtre sans faire un hezek reiya à l'autre, sans causer un dommage à l'autre. On a même Bilam qui avait dit Matovu alecha, Balak qui avait dit Bilam qui avait dit Matovu alecha Yaakov, il a fait une bracha ben Israël quand il a vu que En Pitren shel ze mechuvanot shel ze mul ze, je ne sais plus comment c'est dit dans le pasuk dans Rashi, qui avait plus En Pitren mechuvanim ze keneged ze. Am Israël, ils résidaient dans le désert, ils avaient chacun sa porte. Ça, vous imaginez bien quand même, 600 000 personnes, c'était l'équivalent de 300 000 familles qui vivaient dans un périmètre relativement petit. Les tentes étaient disposées de manière à ce que personne ne pouvait voir ce qui se passait chez l'autre. Et ça, quand il a vu ça, il a dit « Matovu alecha Yaakov, quelles sont belles tes tentes, Israël, Yaakov, et Mishkenotecha Israël, et tes résidences Israël, que tu sais être pudique et ne pas regarder chez l'autre. » Et chacun a sa vie personnelle, a sa petite vie pudique, avec lui, avec sa femme et ses enfants, sans partir voir ce qui se passe chez les autres. C'est le shvar de l'âme Israël. En l'occurrence, en tout cas, pour en revenir maintenant sur notre Mishnah, donc chacun est en droit d'imposer. Donc la grande règle, Ezek Reiya, Shmei Ezek, regardez chez l'autre,
ça s'appelle lui causer un dommage. Il a le droit de m'imposer de ne pas regarder chez l'autre, de fermer une fenêtre, de mettre un rideau chez moi, et tout ça. Première règle. Deuxièmement maintenant, lorsque l'on veut se partager, lorsqu'on veut construire un mur, d'accord, deux associés, deux voisins vont vouloir construire un mur entre eux, ils seront contraints de construire un mur selon les normes du pays. L'un ne pourra pas dire, viens, on va mettre un tissu entre nous deux, on met une barrière, on met des poteaux, une barrière, on fait une haie d'arbres assez haute. Non, puisque l'usage est de construire de la pierre, on construira de la pierre. Si on a l'usage de faire des barrières en bois, on mettra du bois aussi, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on se plie à l'usage. Sinon, on évoquera éventuellement le cas, s'il nous reste du temps, parce que c'est quand même une grosse Mishnah. Troisièmement, maintenant, halakha qui est inclus dans la première phrase de la Mishnah, même le cas particulier, même lorsqu'on est dans une petite cour, que normalement on ne peut pas imposer à l'autre de se partager. Si on a conclu que l'on se partage et on sait concrètement partager, on a fait un kinyan entre nous, on a dit oui, j'accepte de se partager quelque chose qui est on accepte de se partager quelque chose qui est impartageable, et on a tous les deux fait le kinyan soudar qu'on a déjà évoqué, on a conclu ça en s'engageant tout de suite. Dès lors, on sera obligé de construire un mur selon les normes en vigueur dans le pays, même si ça va réduire davantage l'espace. La raison, elle est que tu peux pas me dire de faire un mur plus petit dans la mesure où les normes imposent qu'on se partage de cette manière. Il y a plusieurs motivations, c'est une grosse sugya. Il y en a qui évoquent éventuellement le principe que si on construit de la pierre de cette sorte dans ce pays, c'est parce qu'on estime que moins que ça, les murs s'effondrent à un certain moment. Ça peut prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais en tout cas, ça finira par s'effondrer. Et puisqu'on a adopté l'usage de faire en sorte que les murs tiennent 70 ans, 80 ans, 100 ans. De ce fait, lorsqu'on va on va construire un mur entre nous deux, j'impose que l'on fasse un mur selon les normes du pays. Principe net. C'est bon quand même à savoir, si l'un refuse, il a la possibilité selon le Roche, je crois que c'est rapporté dans la Halakha, il me semble, je ne suis plus sûr de mon coup, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu ça, mais en tout cas, la possibilité de faire rentrer un mur chez lui, plutôt que de céder par exemple 3 tfachim pour construire, chacun devait céder 3 tfachim pour construire de la pierre non taillée, pour faire 6 tefachim de large, l'un pourra dire, moi je préfère dans ce cas-là, je fais rentrer chez moi un mur de un seul tefach, et je mets là-bas une bâche épaisse, et je me débrouille pour qu'elle tienne bien, et dans ce cas-là, tu me laisses tranquille. Il y a quand même une issue pareille, c'est rapporté dans le Roche, c'est rapporté ici dans le Rebbe Kaveh hier. C'est discuté. Mais en tout cas, comme ça, il y a un avis qui pense. Et on a à présent fini la grosse partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant qu'on a lu tout à l'heure aussi, c'était l'histoire... La largeur des murs. Vous allez me dire quoi, Ramim, ils n'avaient pas que ça à faire de venir de me dire les largeurs de chaque mur. Va demander au Kablan, Mohamed, il va te le dire, il connaît ça par cœur, lui, c'est pas ton travail, toi tu... Ouais, pourquoi? Là, en réalité, la Gemara, il y a plusieurs réponses à nos devos qui sont données, mais en tout cas, la Mishnah vient simplement nous dire, sache que s'ils ont l'usage de construire des murs plus larges que ça, en utilisant de la pierre, par exemple, de la pierre de Jérusalem, on a l'habitude de construire la pierre de Jérusalem en laissant cette fois-ci 8 tefards. La Mishnah vient nous dire non, contente-toi de 6, ça suffit amplement, c'est pas la peine d'en faire plus. C'est le principe, c'est pour ça qu'on a besoin de tellement détailler les halakhot de chacun, pour une brique et pour de la pierre de taille et pour de la pierre brute. Et c'était la deuxième partie de la Mishnah. Maintenant, la dernière phrase qu'on n'a toujours pas fait, qu'on n'a pas encore lu du tout, on la lit, on la traduit. Les fikar, pour cette raison, Imnafal akotel, si le mur s'effondre, hamakom ve'avanim shalshneim. L'endroit du mur et les pierres appartiennent aux deux. Là, c'est un sujet très vaste. J'hésite à en parler ou à le laisser essentiellement pour demain. Je l'évoque très rapidement. Et dans la Mishnah de demain, on l'approfondira un peu plus, parce que dans la Mishnah de demain, ce sera en fait une certaine répétition de cette première Mishnah, et donc on pourra se concentrer sur la fin. Pour le moment, on se contente juste de dire, puisque, a priori, la loi impose à chacun de céder une part de son terrain, et de fournir aussi la moitié des pierres pour construire le mur, si le mur s'effondre, supposons que l'un a ramassé toutes les pierres en disant « Ah !» Ça appartient à moi, toutes ces pierres. Tu te souviens pas, il y a 20 ans, quand je t'avais demandé de construire, tu n'avais pas voulu construire. Donc toutes ces pierres m'appartiennent. Il ne sera pas cru. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'a priori, on impose un voisin la possibilité d'imposer à l'autre de céder la moitié de son terrain, a posteriori, lorsqu'on se retrouve avec le mur effondré que quelqu'un a voulu le prendre, l'autre aura le droit de... sera cru lorsqu'il prétendra
que la moitié lui appartient parce qu'il avait, parce qu'il y a 20 ans, tu m'avais imposé de construire le mur. Donc tant que tu ne rapporteras pas des preuves, on est tous les deux ce qu'on appelle mourzak. On détient ensemble les pierres, donc tu ne pourras pas toi les prendre pour le moment. On va approfondir à cette partie demain, Bezrat Hashem, et on fait à présent le Barthénora. Ashutafim Shazou Lassot Mechitza Bechatser. Deux voisins qui ont voulu se faire, donc on a dit le Mechitza, hein, cette fois-ci c'est un partage, ils ont voulu se partager la cour. Bechatser She'en Badin Chalouka Maire. On parle d'une cour qui n'a pas de Din Chalouka, il n'y a pas de quoi se la partager entre deux personnes. She'en Bakede Arba Amot L'Ekol Echad Minashutfin. Qu'il n'y a pas en elle de quoi donner 4 amot à chacun des deux associés. Une cour au minimum, c'est 4 sur 4. 4 amot sur 4, 4 amot, ça fait 2 mètres sur 2 mètres. C'est le minimum d'une cour. Moins que ça, ça ne s'appelle pas une cour. Donc lorsqu'on a une cour, on est associé dans une cour, si toi tu réclames qu'on se la partage, on n'aura pas chacun ses 2 mètres, tu n'es pas en droit de me l'imposer. Par contre, la riktane sheratsu, c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner qu'ils ont voulu, ils ont été d'accord de se la partager. Des mashma dafka shneim rotin, que l'on déduit de là, uniquement dans le cas où les deux acceptent, les deux veulent se la partager. Avalan echad mehen yachol lakuf et chavero. Par contre, l'un n'a pas le droit d'imposer à l'autre de se la partager. Dilu bechatzer sheyesh ba din chalouka, parce que si on parlait par contre d'une cour où il y a un din chalouka, donc qui vaut au minimum 8 amot pour donner à chacun 4 et 4, une amas une coudée. Kol echad yachol lakuf et chavero lachlok. Chacun aura le droit d'imposer à son voisin de se partager. On a conclu avec ce petit détail du mot Sheratu la Sot Mechitza. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Ve'ashta, et à présent. Ashmoinan, la Mishnah nous enseigne. Dekevan Sheratu l'achlok, puisqu'ils ont été d'accord de cela partager. Ve'chezik kol echad mehem, beruach hamagia lo kefima shenit pashru. Et que chacun a saisi la partie qu'ils ont été d'accord de se partager. C'est-à-dire, ils ont fait le maasé kinyan. Ils ont dit, oui, on va se partager. Même s'il n'y a pas de quoi se partager, on veut malgré tout se la partager. Et ensuite, ils sont partis chacun saisir sa partie. D'accord ? Alors, dès lors, bonin et akotel baemsa. Chez Zenoten Michelko, ils construiront le mur au milieu. Chez Zenoten Michelko, chatsima kom berovi akotel vechenze. Lui devra donner de son terrain, de sa petite cour, l'épaisseur, la moitié de l'épaisseur du mur, et l'autre idem. Maintenant, le Barthénora va nous expliquer c'est quoi les 4 sortes de pierres. Gavil, c'est quoi du gavil? Avanim shainam meshufot ou metukanot. Des pierres qui ne sont pas taillées et aplanies. Gazit, c'est des pierres taillées. Avanim meshufot ou megurarot bemegera. Des pierres qui sont taillées et lissées avec une megera, c'est un ustensile avec lequel on lisse. Le mot m'échappe, excusez-moi. Une machine à polir, je sais plus comment ça se dit. En tout cas, Kvisin, c'était l'histoire avec les briques que l'on sépare en deux. Ariar, c'est une demi, chez Uchatsi Levena, qui est une demi-brique. Veu Tefach Umerza, son épaisseur est de 1 Tefach Umerza, donc 15 cm. Veu Levena Gimel Tefachim, tandis qu'une pierre, une brique normale, fait 3 Tefach. À Kol Kemina Gamedina, on sera toujours contraint à construire selon l'usage du pays en vigueur. Bien sûr, si on rajoute une règle, c'est pour nous apprendre quelque chose de plus. À Kol, le mot que tu dis, à Kol, tout, les touye atra deneige la asot mechitza belulavek fanim ve anfe eitzim. Pour nous inclure l'usage, le lieu où on a l'usage de se contenter uniquement de faire des barrières de séparation avec des lulavek fanim, je ne sais pas exactement ce que c'est, des vignes, sûrement les feuilles de vignes sont relativement larges, peut-être qu'on a l'usage de construire des murs pareils, je suppose. Vanfe et Tim et des branches d'arbres. Chez Ossin, Kefi Aminag, en tout cas dans un lieu pareil, ils feront selon l'usage en vigueur. Ou Bilvad, à condition toutefois. Chez Théa Mechitsa Ava, que la barrière de séparation soit ensuite assez épaisse. Chez Loyuchal Echad Mehem Lehabit Beshel Chavero, que l'un ne pourra pas aller mater chez l'autre, regarder chez l'autre. Des Hezek Reiyash Mehezek, parce que le fait de regarder chez l'autre est un dommage que l'on considère et qu'il faut y parer. Vegove Akotel va Mechitza, en Pachot Midalet Amot. Attention, lorsque tu fais un mur ou que tu fais une simple barrière de séparation, il faudra toujours la faire de 4 Amot, 4 coudées, 2 mètres, plus ou moins. Zenoten Shloshat Fachim, Zenoten Shloshat Fachim. Donc on avait dit sur le Gavil, la première sorte de pierre pas taillée, chez Kotel Agavil, Tsarich Tefach Yoter, Mikotel Agazit. Une pierre taillée,
elle fait un il faut lui laisser un tefar de moins sur une pierre taillée par rapport à une pierre non taillée. Pourquoi? C'est normal, il y a ces petites bosses et l'équipe. Des fois, ça dépasse de un demi-tefar, des fois, on a presque un tefar par-ci, mais dans ce cas-là, on gagne de l'autre côté. Donc, il faudra laisser un tefar supplémentaire uniquement pour ces petites. Le fait qu'elles ne soient pas lissées. Donc, chez côté la gaville. Tsarir tefar yoter mikotel la gazit. Le gavil lui faut un tefar de plus que le gazit. Bishul rachet à vanim chez boltot la chous shenan chalukot à cause des extrémités des pierres qui dépassent, qui font donc ces petites formes là. Le kvisin zenoten tifraim. Pour le kvisin, donc c'est la sorte de brique à moitié, on fait la couleur au milieu. Il faudra donner chacun deux tefar. Pourquoi? Shovi kotel la kvisin tefar yoter miovi kotel la venim. L'épaisseur du mur de kvisin fait un tefar de plus que les briques. Les filles, chez Messi, Mariach, Mikan, Mariach, Mikan, parce qu'il faudra mettre une demi-brique ici, une demi-brique par là. Donc ça fait déjà Hachem, Shloshat, Fachim, Veshloshem, Shloshat, Fachim. Ils font déjà trois tefar, trois poignées, trois points. Ve tefar, Baemza, Shanoten, Shamtit, Lechabran. Et laisser en plus un tefar au milieu pour faire la coulée de béton entre les deux, de ciment. Ve Kotel, Asouy, Melevenim. Un mur qui est fait de briques, noten le venash lema, le ovi a kotel, shishloshat fachim, ven tsarichtit, ben tsa. Bien sûr, lorsqu'on fait un mur avec des briques, il n'y a plus besoin de laisser, il n'y a plus de couler de ciment au milieu, puisqu'il n'y a plus de milieu. Ensuite, amakom va venim shashinem, on passe maintenant dans la suite de la Mishnah, que puisqu'a priori on les a forcés à céder chacun la moitié du mur et du terrain, alors, a posteriori, lorsque le mur s'effondre, amakom va venim shashinem, tout appartiendra aux deux, c'est-à-dire. Hakamash malad, la Mishnah est venue nous enseigner. Afal gam denaflu avanim lirshota dechad minayu. Bien que les pierres sont entièrement tombées chez l'un des deux. Inami ou encore des kadim chad ou panin hu lirshote que l'un a devancé et les a toutes prises en prétendant qu'elles lui appartiennent. On a une règle normalement à motzim chadur ala varaya puisque maintenant c'est lui qui les a dans les mains. On aurait pu croire que l'autre, ça lui d'apporter des preuves que ça lui appartient puisque c'est l'autre qui les tient dans la main. Qu'est-ce que tu aurais pu dire que l'autre il a présent à Motsim Chavero, celui qui va faire sortir de son prochain? Kamash Malan, la Mishnah vient de dire non. Au moment où le mur était construit, on s'appelle tous les deux Mourzak, et lorsque tu me l'arraches des mains pour le garder chez toi, c'est toi qui me l'as volé. On voit que tu es un bon voleur, et c'est pour cette raison qu'en fait, l'un ne pourra pas prétendre que le mur l'appartient entièrement. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une pleine de Hatzlacha. Kol Tov Sela.